Espagne. Nous voulons de la transparence car nous voyons déjà que des négociations secrètes ont lieu actuellement entre la Commission européenne et les principaux laboratoires pharmaceutiques, les Big Pharma, 6 laboratoires, 6 multinationales. Et c'est la commissaire européenne chargée de ces négociations, Stella Kyriakides, qui a elle-même dit que ces négociations sont difficiles, qu'elles sont secrètes, et quand elles seront conclues, alors le Parlement aura connaissance des grandes lignes de ces contrats. Mais nous n'en saurons rien, et aujourd'hui en tout cas, nous ne connaissons rien de la teneur des négociations et de la teneur de ces contrats qui sont en train d'être négociés. Nous voulons, nous, savoir combien ça va coûter, quelles sont les clauses qu'il y aura dans ce contrat, les indemnités prévues, quelles sont les garanties ou de quelle manière seront gérés les brevets, la propriété intellectuelle sur ces contrats, car nous disons, nous, que les brevets doivent être partagé. Il ne peut pas y avoir de propriété qui ne soit pas sur la connaissance de ces vaccins qui ne soit pas partagée. Il faut que ce soit partagé le plus largement possible pour en faire véritablement un bien commun et que tout le monde puisse avoir accès aux diagnostics, aux expériences, au partage d'expériences sur ce vaccin et sur les résultats de ce vaccin. C'est bien pour cela que nous voulons en faire. C'est comme cela que nous pourrons faire un bien commun et que nous pourrons faire en sorte que ce vaccin soit le plus efficace possible pour la population et que nous pourrons donc ainsi faire gagner la confiance de nos concitoyens dans ce vaccin et dans l'accès à ce vaccin. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a ces négociations secrètes d'un côté et de l'autre, les actions de ces Big Pharma qui commencent à s'envoler en bourse et déjà des dividendes qui se préparent à être distribués. C'est pour ça que nous disons qu'il ne doit pas y avoir de profit sur la pandémie, il ne peut pas y avoir de dividendes versés sur ce vaccin. Chaque euro doit contribuer à la santé publique, doit contribuer à faire en sorte que tout le monde, tous les peuples du monde, aient accès à ce vaccin le plus rapidement possible et en priorisant bien sûr les personnes qui soignent en première ligne et les personnes les plus fragiles. C'est le sens de cette campagne, garantir l'accès au vaccin pour tous, au moindre coût, et faire en sorte de partager les connaissances, les expériences pour que ce vaccin soit le plus efficace et que tout le monde y trouve la confiance. Je dirais un dernier mot pour la France, parce qu'en France, tout le monde dit que ça ne coûtera pas aux citoyens de se faire vacciner car ce sera pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Eh bien, cela aura quand même un coût pour la sécurité sociale en fonction du prix que la sécurité sociale va mettre pour acheter ces vaccins. Et donc, au final, c'est quand même nous, avec nos cotisations, qui aurons à le payer. C'est bien la raison pour laquelle cette question de l'accès au vaccin et du coût du vaccin est importante, que nous voulons la poser à travers cette pétition européenne, cette initiative citoyenne à l'échelle de l'Union européenne. Je n'en dis pas plus pour que chacun puisse dire un mot. Je vous remercie. Bien, merci Fabien. Je passe la parole à Patrick Peloux, qui est donc médecin urgentiste à Necker. À toi. Oui, et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Donc, merci de m'avoir invité à votre conférence de presse. Je fais suite aux propos de Fabien, qui sont tout à fait justes. Pourquoi je suis là? Parce que ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que si vous voulez, la COVID-19 a surtout touché en fait les populations les plus pauvres, hein, souvent les plus malades et les plus pauvres. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce vaccin, lorsqu'il sera mis en place et que la vaccination aura commencé, que ce soit encore les plus pauvres qui soient les plus touchés. Et quand je dis les plus pauvres, évidemment, nous sommes là dans la mondialisation. La mondialisation ne veut pas dire que ce soit que les profits des grandes multinationales de la pharmacie qui emportent l'argent, mais que ce soit l'humanité. C'est pour ça que cette notion d'humanité, cette notion du fait que l'humain, dans son côté universel, réussit à procurer le vaccin pour
tous les peuples, pour toutes les personnes sur la planète, je pense que c'est absolument essentiel. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ce discours, et nous en médecine on le voit, puisque la première industrie mondiale maintenant c'est l'industrie de la pharmacie, donc on voit bien ce qui se trame à l'heure actuelle. Il faut justement qu'il y ait une mobilisation, et je salue cette initiative de cette pétition pour dire que ce vaccin doit être gratuit, doit être bien entendu, et je salue les organisations en France de la fonction publique qui sont en train, et des services du ministère qui sont en train d'organiser la vaccination. Pour ce qui est de la France, il faut, à mon avis, que cette vaccination se base sur les médecins traitants, la médecine de ville qui, chaque année, vaccine des millions de personnes, et ça se passe très bien, et qu'on ne recommence pas le fiasco qu'on a connu du temps de Bachelot avec les vaccinodromes qui n'avaient absolument pas fonctionné. Et surtout, on va avoir un rôle, nous, professionnels de santé, pour dire aux gens que, justement, ces vaccins sont validés, non pas simplement par les Américains, parce que la France n'est pas le dernier État des États-Unis, hein, mais par les protocoles scientifiques qui ont été validés en France et en Europe. Et ça, c'est vraiment important. Et dernier point, bien entendu, il faut être très vigilant parce que la sécurité sociale, c'est pas on rase gratis tous les jours, c'est du pognon. Ce pognon, c'est le nôtre, c'est le pognon de la France, des Françaises et des Français, des cotisations. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur le fait qu'ils ne vendent pas ce vaccin au-delà d'un prix raisonnable qui est juste le coût de fabrication. Il s'agit là d'un exemple qui doit conditionner l'avenir sur le fait que l'humanité est capable de réagir sans profit économique pour sauver justement les êtres humains. Merci beaucoup. Merci Patrick. Je vais passer la parole à Vera Policarpou, qui est donc responsable internationale du Parti progressiste des travailleurs à Chypre, le parti AKEL. Merci beaucoup Solène, bonjour camarades de Chypre. Merci beaucoup d'avoir invité l'AKEL à participer au lancement de cette importante campagne qui est également lancée aujourd'hui en Chypre. Cette campagne intervient à un moment crucial alors que la pandémie de COVID-19 continue à se propager à un rythme encore plus menaçant, laissant des centaines de milliers de familles partout sur la planète endeuillées par les pertes de leurs proches. Au nom de laquelle j'exprime nos sincères condoléances pour le nombre de pertes de vie humaine en France. Peu de pays ont été épargnés par cette tragédie, principalement grâce à leur système de santé publique centré sur l'humain d'abord. Cuba, le Vietnam et la Chine et en tant probablement le meilleur exemple. Et en ces temps difficiles pour l'humanité, la solidarité doit prévaloir. À Chypre, un pays de moins d'un million d'habitants, la première vague de la pandémie a été contrôlée grâce à un verrouillage précoce qui a permis de minimiser les pertes humaines. Au cours de la période 2013-19, le système de santé publique a subi des coupes drastiques qui s'élèvent à 500 millions d'euros. En 2019, après des années de lutte, un système national de santé a été mis en place. Mais l'impact de la période précédente sur l'hôpital public et le système de santé publique dans son ensemble, aussi que les politiques néolibérales du gouvernement de droite ont laissé le système sans protection. Depuis mars, nous avons plus de 10 000 cas et 48 morts, plus de 6 000 cas et 28 morts depuis le début de la deuxième vague début octobre. L'hôpital public fonctionne sous une pression croissante et ne peut pas répondre aux besoins. Déjà, lors de la première vague, AKEL demandait au gouvernement de se préparer à la deuxième vague. Malheureusement, il semble que rien n'était fait dans ce sens. De plus, certaines des mesures annoncées pour contrôler la pandémie n'ont aucun sens et ne donnent pas le résultat escompté. Les travailleurs ne doivent pas payer
pour la pandémie. Nous dénonçons que, comme dans de nombreux pays, les droits et libertés démocratiques sont restreints au nom du contrôle de la pandémie, tandis que les grands centres commerciaux sont autorisés à rester ouverts. À quel se joint à la campagne, à cette campagne, afin d'exiger un vaccin et un traitement sûr contre le COVID-19 qui devrait être librement accessible à tous. Nous exigeons que les grandes entreprises pharmaceutiques qui profitent déjà des énormes contrats signés avec la Commission européenne n'étirent aucun profit de la pandémie. La santé est un bien public et doit le rester. Nous pensons que les nombreux groupes et syndicats organisés, médecins, infirmières et patients, femmes et jeunes, uniront leurs forces au nôtre pour recueillir les signatures nécessaires et protéger notre système de santé publique. Pour obtenir les millions de signatures nécessaires pour exiger de la Commission européenne qu'elle agisse en plaçant l'être humain et non les multinationales et leurs profits au centre de leur action. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans notre campagne commune. Frère Stovoli. Merci beaucoup, Vera. Je vais passer la parole à Thierry Baudin, qui est coordinateur CGT Sanofi. Oui, bonjour à toutes et tous. Nous, au niveau de notre organisation syndicale, tant au niveau de la CGT Sanofi que de notre fédération des industries chimiques CGT, nous inscrivons pleinement dans cette campagne de référendum pour obtenir la gratuité du vaccin. Ce qui est en jeu, ça a été dit par tous, c'est pouvoir faire en sorte de tuer cette pandémie et par là même, sûrement le traitement le plus efficace, ça sera le vaccin. Pour nous, c'est très clair, le vaccin, comme le médicament, devrait être des biens communs universels, et d'autant plus dans le cadre de cette pandémie de COVID-19. Donc, tout doit être fait dans ce sens pour que toutes les populations puissent y avoir accès. Il est inacceptable qu'il y ait des centaines de millions de doses qui sont déjà payées par les commissions européennes et les gouvernements et qui permettent déjà de financer en grande partie le développement de ces vaccins auprès des multinationales et que simplement 500 millions de doses soient octroyées aux pays en développement. Ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'il est indispensable que l'ONU, que l'OMS vraiment dirige l'ensemble des thérapies de la vaccination face au COVID-19. Mais pour nous, sachant que nous sommes un laboratoire qui est concerné, parce que nous avons des scientifiques, nous avons des salariés, des chercheurs qui sont pleinement impliqués dans à la fois également sur la question de traitement, qui pourrait soigner les malades qui sont atteints déjà du COVID-19, mais évidemment dans la mise au point d'un vaccin permettant d'éliminer cette pandémie. Bien, ces salariés, comme nous au niveau de la CGT Sanofi, s'y sont pleinement impliqués, c'est pour être utile à la société dans son ensemble. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est cet état de fait. Quand on voit notre directeur général qui dit que son objectif premier, c'est de faire en sorte de porter la marge brute de 32 à 35% du chiffre d'affaires, eh bien nous, au niveau de la CGT Sanofi, on dit si on peut permettre à tous, en ayant un vaccin qui soit à prix coûtant, payé au laboratoire et qui soit gratuit à tous après, et qu'on n'atteigne pas cette rentabilité financière, mais qu'on soit utile et qu'on ait une finalité qui soit celle de la réponse aux besoins de santé, bien voilà, nous, on s'inscrit dans cette démarche-là. On s'inscrit dans cette démarche de faire en sorte, on a un métier qui est passionnant, et bien ce métier, il doit être utile à tous. Donc, nous inscrivons pleinement dans cette bataille et nous allons faire en sorte, à travers nos forces et à travers toutes les initiatives qui seront prises, d'être présents. La santé n'a pas de prix. Le médicament, le vaccin doit devenir un bien commun universel. Et c'est dans ce sens également que nous soutenons la création d'un pôle public de la santé comprenant un pôle public du médicament pour sortir le médicament de la sphère financière. C'est fondamental si on veut répondre aux besoins de santé
et c'est fondamental aussi pour développer nos activités de la recherche à la production, toute la filière industrielle du médicament dans notre pays, en Europe et dans le monde. Merci. Merci beaucoup Thierry. Je vais passer la parole à Mathilde Elbakri, qui est donc responsable de médecine pour le peuple en Belgique, qui je crois est un réseau de 11 maisons médicales qui pratiquent la médecine gratuite en Belgique. Oui. Bonjour tout le monde et merci. Mais effectivement, nous, en tant que médecine pour le peuple, on a décidé de rejoindre cette campagne. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les citoyens ont déjà payé le prix fort de cette crise, que ce soit via la perte d'une partie de leurs revenus et parfois même de leur job. Donc, de nombreuses personnes qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi à cause de la crise. Ils ont aussi payé cette crise au prix de leur santé, la leur ou celle de leurs proches. Et je pense à tous les patients Covid qui ont été hospitalisés. Je pense aussi à tous les patients qui sont décédés beaucoup trop tôt. En Belgique, on a dépassé le malheureux cap des 16 000 décès. Et aujourd'hui, ces patients-là, ces citoyens, ils ont droit de retrouver une vie normale. Et ils ont le droit d'être protégés contre cette pandémie. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de se joindre à l'initiative et de mener la campagne ici, avec nos maisons médicales, avec nos équipes, avec nos médecins, avec nos infirmières et avec nos patients qu'on veut mobiliser pour vraiment atteindre cette victoire, pour arracher cette victoire et pour que la Commission européenne légifère là-dessus. Parce qu'on est contre les accords secrets entre la Commission européenne et les entreprises pharmaceutiques, que ça soit, comme ça a déjà été dit, sur les contrats ou sur les recherches. Et pour nous, c'est d'autant plus important que les citoyens ont déjà payé aussi ce vaccin. Ils l'ont payé via les fonds publics, on l'a dit, des fonds publics qui ont financé les recherches, qui ont financé la production des entreprises pharmaceutiques. Et donc, qui dit fonds publics dit contrôle public. C'est pour ça qu'on doit absolument retirer le vaccin des mains de Big Pharma. Et si tout le monde a le droit d'être protégé contre le Covid, ça passera par un vaccin qui soit sûr, par un vaccin sur lequel il y a un contrôle démocratique et qui soit effectivement sous contrôle public de l'ensemble de la population. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Thierry Baudin, excusez-moi. Évidemment, sur l'aspect de la propriété intellectuelle, on rejoint la bataille, entre autres, que mènent l'Afrique du Sud et l'Inde sur le fait que la propriété intellectuelle autour de ce vaccin doit être absolument levée. Il ne peut pas y avoir, ça doit être partagé, mais il ne peut pas y avoir de protection commerciale brevetaire autour de ce vaccin. Merci Thierry. Alors, je passe la parole à Colm Gildernew, qui est le député de l'Assemblée législative d'Irlande du Nord et responsable des questions de santé pour le Sinn Féin. Alors, je précise que Colm n'est pas francophone, donc il sera traduit immédiatement après. Tu n'as pas le micro. Bonjour. Je m'appelle Colm Gildernew, représentant de Sinn Féin. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Nous sommes très contents de travailler avec tout le monde sur cette campagne importante. Thank you to the French Communist Party and greetings to all other participants in this European campaign for the right to cure, for guaranteed free and equal access to COVID-19 related diagnostics, therapeutics, and vaccines. Merci beaucoup. Sinn Féin are proud to be included and active in the European initiative and to participate in the campaign for free and universal access to any COVID-19 treatment developed. We are in full support of the Right to Cure campaign and agree that every human being across the globe must have equal access to any COVID-19 vaccine or treatment, regardless of creed, wealth, or race.
We are conscious of the devastation the pandemic has caused across the entire world, and in particular, the high numbers of infection in more deprived communities. The European Union must ensure that low and middle income countries have fair, equitable, and affordable access to the vaccine. We are also keenly aware that our health and social care systems lay exposed and unprepared for such an event, due largely to decades of austerity and the general dismantling of the welfare systems across many European states. As we all know, the COVID-19 virus has just devastated our communities and our entire nations. In some ways, it has been the great equalizer, bringing all economic, social, and political activity in every nation to a standstill, showing us that in the face of nature and science, we are all human, we are all vulnerable, and we are all equal. In Ireland, due to the partition of our country, we have had a disjointed and disconnected response to the pandemic. Despite words to the contrary, actions have been lacking from both health ministers, north and south, in addressing the disjointed nature of the response. In the north of Ireland, our response to the virus has been fundamentally inadequate at times, with little evidence of a clear strategy from the Department of Health needed to fight the pandemic satisfactorily. Across the island of Ireland, there have been approximately 3,000 deaths to date, with around 40% of those deaths in our care homes. Our hospitals across this island have been brought to the verge, with lack of staff, lack of protective and life-saving equipment, and a lack of hospital beds. The pandemic has exposed a health and social care system across our island that is unfit for purpose, especially in the face of any threat such as this virus has posed. Besides the economic catastrophe brought on by the virus, it has also wreaked havoc on social interaction across our societies and beyond. Apart from obvious physical health implications, this has the potential to pose serious mental health challenges in all of our communities. Here in the North, we have a particular vulnerability brought about by the British withdrawal from the European Union. The political complications caused by Brexit must not be allowed to flow over into the physical and mental well-being of our population here in the North. Brexit is not our fight, and it cannot be allowed to negatively impact upon the health of the citizens on our island. Sinn Féin welcome the European Citizens Initiative and are pleased that it has been approved by the European Commission. We are committed to the project, and we will work with our partners, all of you, across the European Union to achieve the 1 million signatures required. There can be no profit made from the suffering that the COVID-19 virus has caused. Human vulnerability and suffering cannot become the fodder that corporations, stock traders, and bankers profit from. We should also and must also resist the renewed focus on austerity responses, as now evident once again from English Tories. The British Chancellor, Rishi Sunak's recent indications of a move to freeze public sector pay demonstrates an intent to dish out more of the same cruel medicine to those invaluable frontline workers at the lower end of the income scale in the years ahead, and will once again lead us down an unsustainable and an unjust path. If there is hope on the horizon, it must be hope for all in every community, in every country, regardless of means or income or race. Therefore, universal access to any vaccine or treatment must be guaranteed to all. Merci. Donc je vais traduire. Merci beaucoup au Parti communiste français. Je salue les autres participants pour cette campagne européenne Right to Cure, pour un accès gratuit pour tous aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins pour la COVID-19. Le Sinn Féin est fier de prendre part et d'être actif dans l'initiative européenne et de participer à la campagne pour un accès gratuit et universel à tout traitement qui est développé pour la COVID-19. Nous soutenons pleinement la campagne Right to Cure et sommes d'accord avec le fait que tout être humain sur la planète doit avoir un accès égal à tout traitement ou vaccin, quelles que soient ses convictions, ses revenus et ses origines.
Nous sommes conscients des désastres que la pandémie a causés à travers le monde, en particulier du nombre élevé d'infections dans les milieux les plus défavorisés. L'Union européenne doit assurer à tout État, en revenus moyens et faibles, un accès égal, équitable, au moindre coût aux vaccins. Nous sommes aussi parfaitement conscients que les systèmes de santé et d'aide sociale ont été laissés désarmés et sans préparation face à un tel événement, ce qui est largement dû à des décennies de politiques d'austérité et au démantèlement général des systèmes de sécurité sociale dans de nombreux États européens. Comme nous le savons tous, le COVID-19 a dévasté nos populations locales et nos nations tout entières. En un sens, cela a été un grand niveleur en mettant toute l'activité économique, sociale et politique dans chaque nation à l'arrêt et nous montre qu'en face de la nature et de la science, nous sommes tous humains, nous sommes tous vulnérables et nous sommes tous égaux. En Irlande, du fait de la partition de notre pays, nous avons eu une réponse disjointe et non coordonnée à la pandémie. En dépit de bonnes paroles assurant du contraire, aucune action ne fut entreprise par les ministres de la Santé au nord et au sud pour résoudre cette disjonction. Dans le nord de l'Irlande, notre réponse au virus a été parfois fondamentalement inadéquate avec peu de signes de la part du ministère de la Santé d'une stratégie claire, nécessaire cependant pour combattre efficacement la pandémie. En Irlande, nous avons eu 3000 morts au jour d'aujourd'hui, avec environ 40% de ces décès en maison de soins. Les hôpitaux sur l'île ont été poussés à la limite de la rupture, avec un manque de personnel, d'équipement, de protection et un manque de lits d'hôpitaux. La pandémie a mis en évidence le fait que le système de santé sur l'île ne peut pas remplir sa mission, en particulier face à une menace telle que ce virus. Outre la catastrophe économique provoquée par la pandémie, le virus a fait des ravages sur les interactions sociales dans nos sociétés et, outre ses complications évidentes pour la santé physique, il est susceptible de poser de graves problèmes de santé mentale dans toutes nos populations locales. Ici, dans le Nord, nous sommes confrontés à une vulnérabilité particulière due au retrait britannique de l'Union européenne. Les complications politiques causées par le Brexit ne doivent pas se répercuter sur le bien-être physique et mental de notre population dans le Nord. Le Brexit n'est pas notre combat et il ne faut pas qu'il ait un impact négatif sur la santé de nos citoyens sur l'île. Le Sinn Féin salue l'initiative citoyenne européenne et se réjouit qu'elle ait été approuvée par la Commission. Nous nous engageons dans le projet et travaillerons avec nos partenaires à travers l'Union européenne pour atteindre le million de signatures requis. Aucun profit ne peut être fait sur les souffrances causées par le virus. La vulnérabilité et la souffrance humaine ne peuvent devenir une source de profit pour les entreprises, les traders et les banquiers. Nous devons également résister aux politiques d'austérité menées par les conservateurs anglais. Les récentes déclarations de Rishi Sunak, le chancelier de l'échiquier de Boris Johnson, d'une décision de geler les salaires du secteur public démontrent une nouvelle intention de punir à nouveau les travailleurs de première ligne et de niveler à l'extrémité inférieure l'échelle de leurs revenus dans les années à venir et nous conduirons une fois plus dans une voie insupportable et injuste. S'il y a de l'espoir, cela doit être un espoir pour tous. Dans chaque pays, quels que soient les revenus et les origines de chacun, l'accès universel à tout vaccin ou traitement doit donc être garanti à tous. Merci Colm et merci Vincent. Je pense qu'on a terminé avec les intervenants prévus. Peut-être pourrions-nous passer aux questions des journalistes, s'il y en a. Je crois qu'il y avait Maurice Cassier de la FSU qui n'a pas dit un mot. Alors, Maurice, si tu souhaites... Oui, ben, écoutez, merci de l'invitation. Je voudrais juste évoquer quelques points sur la recherche et l'économie de ces vaccins. On se félicite généralement du développement très rapide des vaccins. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce développement rapide est un processus qui mobilise une large infrastructure de recherche qui inclut, mais qui s'étend au-delà des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie.
Les universités et la recherche publique fournissent des connaissances fondamentales sur le virus et l'immunologie. Elles ont aussi inventé et transféré des technologies vaccinales qui sont industrialisées et capitalisées par les firmes, tandis que les hôpitaux réalisent les essais cliniques. Par exemple, l'Institut Pasteur transfère sa technologie à Merck, l'Université d'Oxford à AstraZeneca, les NIH aux États-Unis à Moderna, etc. Des aides publiques de diverses natures interviennent à toutes les étapes du développement jusqu'aux investissements de production avec les contrats de précommande. Si l'économie des vaccins repose sur des co-développements et des investissements partagés, on comprend mal qu'elle soit confisquée par des ententes secrètes entre les États et les entreprises. Donc la formation des prix, la propriété intellectuelle, les financements doivent être transparents. Et les parlements, les associations, les syndicats doivent participer à une démocratie élargie pour gouverner cette économie et une distribution universelle. Le deuxième point, c'est sur l'influence de la recherche fondamentale. Un responsable scientifique de la recherche publique américaine aux États-Unis déclarait il y a quelques semaines « Pour moi, le message important est que la recherche fondamentale crée des connaissances qui vous mettent en meilleure position pour faire face à une crise comme celle-ci. Tous ces résultats sont le fruit de la recherche fondamentale et de la science fondamentale, et surtout si ces vaccins finissent par fonctionner, il disait ça au mois d'août, c'est un signal d'alarme pour les bailleurs de fonds qui doivent soutenir une recherche plus fondamentale, notamment ce qui concerne les virus et l'immunologie. » Et ici, on mesure la divergence entre cette exigence de financement de la recherche fondamentale pour répondre aux crises sanitaires et la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vient d'être adoptée en France et qui inaugure un vrai décrochage. Concernant la propriété intellectuelle, pour le moment, il y a un seul bien public qui existe jusqu'ici pour cette pandémie, c'est la séquence génétique du virus, quand elle a été obtenue par les chercheurs, qui a été immédiatement mise dans le domaine public et à la disposition de tous les laboratoires publics et privés pour développer toutes les technologies possibles, vaccins, tests, médicaments. Pour ce qui concerne la mise en commun des vaccins, tests et médicaments dont on a déjà parlé, je pense qu'il faut s'appuyer à la fois sur les acquis et les limites de ce qui a été fait pour l'épidémie de sida. On a utilisé, depuis le début des années 2000, dans de nombreux pays, des licences obligatoires pour produire des médicaments génériques. On a créé aussi une communauté de brevets à la requête de Médecins sans frontières et qui est aujourd'hui administrée par Unitec. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aujourd'hui une décision, comme l'ont demandé effectivement l'Inde et l'Afrique du Sud, de suspension générale de la propriété intellectuelle sur les technologies Covid. Et dans le même temps, pour les vaccins, il faut prévoir des opérations de transfert de technologie pour essaimer la production. Quatrième point, si on veut que les vaccins soient partagés, la propriété intellectuelle soit partagée, il serait de bon ton que le ministre de la Recherche et le ministre de la Santé, conjointement en France, veille à ce que les institutions publiques de recherche ou les type INSERM, CNRS ou encore l'Institut Pasteur distribuent leur technologie de manière non exclusive. Bon, par exemple, je rappelle que Merck, qui industrialise la technologie de Pasteur, a refusé de s'engager sur le prix coûtant récemment. Et enfin, dernière idée, il faut se souvenir que pendant une grande partie du XXe siècle, il a existé dans de nombreux pays, y compris en Europe, une production publique et non profitable des vaccins. Je rappelle que jusqu'en 1985, Pasteur Production produisait notamment le virus contre la grippe. Donc il faut retrouver cette capacité de production publique en France et en Europe, à la fois pour sécuriser les approvisionnements, et réguler aussi les prix du marché pour que la sécurité sociale dépense moins pour acquérir ces vaccins. Merci Maurice. Et désolée pour l'oubli, je n'avais pas la bonne liste. Bref, si personne ne souhaite rajouter quelque chose, peut-être que des journalistes ont... Ah,
Alors, Nadège, est-ce que tu peux poser ta question avec... Je vais y répondre tout de suite. Je vais y répondre tout de suite parce qu'elle a écrit sa question. Oui, j'ai vu, mais peut-être qu'elle peut la poser pour les autres. Bon, vas-y sinon, Fabien. La question, c'est cette campagne correspond à quoi? 1 million de signatures dans 7 pays? Pourquoi? Dans quelle durée? Etc. Ce dispositif existe au sein de l'Union européenne, un peu comme en France, même si en France le RIP il n'est pas encore bien défini, mais à l'échelle de l'Union européenne, si 1 million de citoyens signent une pétition, 1 million issus de 7 pays dans une durée de 1 an, alors les pétitionnaires, sur la base des exigences qui sont portées dans la pétition, ont le droit de poser ces questions à la Commission européenne qui est en devoir de lui répondre. Voilà, c'est un petit peu le principe, ce n'est pas un référendum, mais ça impose à la Commission européenne le devoir de répondre aux questions posées par les pétitionnaires. Merci. Il y a d'autres questions ou peut-être quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Quel est l'objectif en termes de signature pour la France? En France, il nous faudrait au minimum, l'objectif c'est 60 000 signatures, mais on se fixe l'objectif d'en recueillir 150 000. Merci. Solène, if I could. Si je peux ajouter une petite chose, remercier à tous pour l'intervention, que c'est très important pour nous aussi d'avoir des infos comme vous voyez en France l'issue avec les droits intellectuels, la manière de faire le vaccin, etc. C'est très intéressant. Et aussi tout ça que Paul a dit de côté d'Irlande. Et là, je dois ajouter que Chypre, comme l'Irlande, est divisée. Et moi, je n'ai pas eu le temps de vous informer que cette division a causé beaucoup de problèmes parce que même l'occupation turque ne l'a pas laissé des médecins, des médicaments et des autres objets médicaux qui étaient donnés par l'Union européenne ou pour d'autres côtés, d'être remettre à un médecin turc chypriote. Et il y a maintenant presque 8 mois que l'accès d'un côté à l'autre, c'est presque impossible parce qu'il faut faire tous les jours un contrôle, un test pour se croiser d'un côté à l'autre. Alors pour nous, la pandémie a causé beaucoup de problèmes encore politiques dans l'île et a forcé de terminer une dynamique de beaucoup de travail entre les deux communautés. Et c'est pour ça que le vaccin va être très important encore pour cette raison pour nous. Merci. Merci Vera. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres intervenants qui souhaitent ajouter quelque chose? Claudia, bonjour. Donc Claudia Repin, bonjour, j'ai un problème de micro. Comment va se dérouler cette campagne? Avec quel support? Cette campagne, on va la faire vivre à travers donc chaque organisation en France qui soutient cette campagne. Il y a donc deux forces politiques, le Parti communiste et la France insoumise. Il y a des syndicats réunis ici, des associations dont Oxfam, qui est aussi signataire de la campagne en France. Et au fil des jours, d'ailleurs, d'autres organisations viennent s'ajouter parmi les signataires. Donc, en France, c'est à travers différents acteurs politiques, syndicaux, associatifs. Je pense aussi
au monde de la santé avec Patrick Peloux et l'association qu'il représente. Ce sont tous ceux-là qui vont faire vivre cette campagne, donc à travers des supports qui sont mis à disposition par les pays, les forces politiques de l'Union européenne qui participent à cette campagne. Donc, je le disais, il y en a 12 issus de la GUE, le groupe de la gauche unie européenne. Et donc, nous avons un support, des visuels, des textes et un site dédié, Right to Cure, sur lequel on peut directement aller signer et donc participer à cette campagne. Donc, c'est chaque organisation politique, à travers ses moyens de communication, qui partagera donc qui partagera les supports mis à notre disposition par cette campagne qui est pilotée à l'échelle de l'Union européenne par la GUE. J'ajoute que tous les liens pour suivre la campagne sont dans le chat à côté. Voilà. Le chat, dans converser, tu vois. Donc, tu vas dans converser, tu as tout le... Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Et juste sur la question de la réticence à se faire vacciner, c'était évoqué par Fabien Roussel, la question de la transparence est fondamentale. C'est-à-dire que il faut, on l'a vu déjà, les laboratoires vont aller très vite pour pouvoir vendre. Il faut que toutes les études de sécurité du médicament et de toxicologie soient menées. Et il faut que les données soient transparentes et tout ce qui est pharmacovigilance également. C'est le seul moyen, à notre avis, de pouvoir donner confiance sur la nécessité de se faire vacciner contre la COVID-19. Mais vouloir aller vite pour des questions financières, ce n'est pas forcément aller dans le sens de l'intérêt commun. Loin s'en faut. Merci Thierry. Est-ce que d'autres journalistes souhaitent poser une question ? Est-ce que d'autres intervenants souhaitent ajouter quelque chose avant que nous nous quittions ? Je souhaite bonne campagne à mes collègues des différents pays, en Irlande du Nord, à Chypre, en Belgique, dans les maisons de la médecine du peuple, qui est une belle initiative d'ailleurs que je salue. Ce serait bien qu'en France, on fasse pareil, puisqu'ils ont réussi à le faire, nos collègues du PTB. On pourrait nous aussi le faire. Il y a des mairies qui le font. Les mairies à direction communiste ont mis en place des maisons de santé qui s'inspirent un petit peu de ces maisons installées en Belgique. Moi, j'en ai fini pour ma part. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Et puis, nous partons pour un an de campagne pour obtenir des réponses à nos questions et faire en sorte que ce vaccin coûte le moins cher à nos pays et à nos concitoyens. Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tintintintintin. Alors. Hop. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, Colm, et merci beaucoup. Au revoir, Colm. Ce serait possible, Solène, d'avoir le demander à Maurice Cassier, je ne sais pas qui a les coordonnées. Oui, Charles. D'avoir ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a raconté sur le vaccin de la grippe qui était distribué jusqu'en 1985 de manière gratuite, ça m'intéresse. Je voudrais retrouver exactement le propos. Je vais lui demander, enfin je vais demander à Charlotte de lui